Avec sa centaine de perles et ses 674 diamants d'une pureté exceptionnelle, taillés en brillant ou en poire et sertis sur une monture dite en esclavage, ce chef-d'œuvre de 2842 carats est un bijou unique dans l'histoire de la joaillerie. Découvrons comment théâtre, littérature et bande dessinée vont s'emparer d'un fait historique pour construire un véritable mythe littéraire. Paris, 1772, place Louis-le-Grand. Charles-Auguste Boehmer et son gendre Paul Bassange s'activent dans leur boutique de joaillerie. Il leur faut honorer la commande du roi Louis XV qui souhaite offrir à sa maîtresse un présent de choix. Un bijou qui doit dépasser en richesse et en éclat tous ceux qu'on pouvait admirer jusqu'alors. Louis XV meurt 2 ans plus tard et le collier n'est jamais offert à Madame du Barry. Boehmer et Bassange se sont endettés pour la réalisation du bijou et proposent à Louis XVI et Marie-Antoinette de l'acheter, sans succès. Ils s'en vont alors trouver acquéreur auprès des monarques européens. Mais le collier, d'une valeur d'1 600 000 livres, est beaucoup trop cher. Ni la Russie, ni l'Espagne, ni le Portugal ne pourront donner suite à une telle folie. 1784. De retour à Paris, Boehmer et Bassange croisent la route de Jeanne de la Motte, descendante pauvre et illégitime des Valois. S'affichant comme une intime de Marie-Antoinette, elle promet au joaillier de convaincre la reine d'acheter le bijou. Elle se sert alors du cardinal de Rohan, à qui elle remet de fausses lettres de la reine, le priant de bien vouloir servir de prête-nom pour l'achat d'un bijou. Qui plus est, de bien vouloir avancer lui-même la somme nécessaire. Pour finir de convaincre le cardinal, Jeanne va même jusqu'à manigancer dans les jardins de Versailles une rencontre entre lui et une femme se faisant passer pour la reine. Souhaitant quitter la disgrâce dans laquelle il se trouvait alors avec la vraie Marie-Antoinette et croyant donc lui rendre service, le cardinal accepte d'acheter le collier. Le 1er février 1785, il se fait livrer le bijou et le confie à Madame de la Motte qui disparaît aussitôt avec les joyaux. En 1785, les joailliers Boehmer et Bassange n'ont pas touché le moindre centime. Ils sollicitent alors une audience auprès de la reine et le scandale éclate. Jeanne et ses complices sont jugés, mais pour le peuple, cet événement ne fait qu'accroître le profond discrédit envers la royauté et sera même considéré par certains comme un événement déclencheur de la révolution. C'est le cas de Goethe, romancier et dramaturge allemand, qui, en 1791, adapte l'affaire du collier dans Le Grand Koft, sa nouvelle comédie. Le fameux collier y tient le premier rôle. Ici, les joailliers créent le bijou dans l'espoir qu'un prince en fasse cadeau à sa fille. Et le larcin est perpétré par un crédule chanoine sous la coupe d'un marquis et d'une marquise. 1849, au siècle suivant, Alexandre Dumas rebat les cartes de l'histoire. Avec son roman feuilleton « Le collier de la reine », il fictionnalise l'affaire, revient sur les lieux du crime, interroge les personnages au cœur du scandale et analyse les mobiles. S'il met en scène les situations réelles, Dumas n'hésite pas à romancer son propos et à faire un portrait idéalisé de la reine, réhabilitant ainsi l'image ternie de la souveraine. 1906. On retrouve la trace du collier dans le journal « Je sais tout » sous la plume de Maurice Leblanc, au cœur de la toute première aventure d'un jeune gentleman cambrioleur. Arsène Lupin, alors âgé de 6 ans, vit à Paris avec sa mère Henriette, servante chez le comte de Dreux-Soubise. Un soir, à l'occasion d'une sortie mondaine, la comtesse décide de porter son magnifique collier ayant appartenu à Marie-Antoinette. Au coucher, son époux enferme le collier dans un petit cabinet attenant à la chambre, mais au matin, le collier a disparu. 1967. Dans Le Journal de Tintin, c'est au tour de Francis Blake et Philip Mortimer, célèbre duo d'enquêteurs créé par Edgar P. Jacobs, d'enquêter sur l'affaire. Sir Williamson, riche collectionneur britannique, retrouve le célèbre collier de Marie-Antoinette à Londres et souhaite l'offrir à la reine Elisabeth. Présenté à Paris lors d'une cérémonie à l'hôtel du joaillier Duranton, le collier est dérobé. Dans l'écrin, en place du bijou, un billet signé du colonel Ulrich, criminel tout juste évadé de prison. Aujourd'hui encore, le collier de la reine fait son apparition dans de nombreuses adaptations littéraires ou médiatiques. Même s'il n'hésite pas à s'éloigner des faits historiques, ses récits se sont tous construits autour d'un objet bien réel. Mais qu'est-il advenu de ce fameux collier ? Suite au vol du bijou par Jeanne de la Motte, tous ses joyaux ont été éparpillés et vendus. Mais le mythe littéraire créé autour de ce collier fait qu'il continue à briller dans nos imaginaires.